Bonjour à tous et bon dimanche, bienvenue sur Génération Télévision pour le TV 168. Et à la une, c'est la rentrée pour toutes les chaînes de télévision, vous allez me le dire, mais c'est la rentrée pour BFM TV. Demain, il y aura des petits changements sur la première chaîne Info de France, hein, puisque vous allez me le dire. Vous aurez d'abord un nouveau décor, un décor flambant neuf pour première édition. La matinale de la chaîne, qui est à l'antenne quand même de 4h30 du matin jusqu'à 9h du matin, avec notamment Adeline François et Christophe Delay pour le prime time de la chaîne, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Un décor qui sera plus espacé, avec plus de caméras sans doute aussi, je crois qu'il y a une Luma qui a été mise, et puis on pourra plus se voir d'interaction avec les animateurs, et même Apolline de Malherbe qui fera son face-à-face pas très loin, elle qui présente, vous le savez, la nouvelle version de Bourdin Direct, puisque c'est Bourdin Direct, c'est Apolline Matin, et ça c'est en direct sur RMC Story pour la chaîne de télévision. Sinon, pour BFM TV, il pourrait y avoir aussi des petits changements avec quelqu'un qu'on connaît bien. C'est Marc-Olivier Fogiel, qui est lui le directeur maintenant de BFM TV. Directeur qui ne s'est pas mis à l'antenne, mais qui pourrait bien y retourner. En tout cas, ils en ont parlé avec le PDG d'Altis. Et il était intéressé. Affaire à suivre. La question 168 alors, Arielettre ou Renardo? J'en parlais la semaine dernière avec la fin des animateurs dans Des Chiffres d'Alès. Renardo à 75%, 20% aucun des deux, vous n'avez pas réussi à choisir. Et puis juste une voix pour Ariel, la pauvre, moi je l'aime bien. J'en parle donc là depuis tout à l'heure, croyez-vous au retour de Marc-Olivier Fogiel sur BFM TV? À vous de voter, le lien est dans la description. Le Réunion Actu et on ouvre avec TF1, deux femmes qui vont danser, danser avec les stars bien évidemment, la nouvelle saison qui sera à l'antenne à partir du vendredi 9 septembre prochain. Il y aura Clémence Castel, candidate et aventurière de Koh-Lanta qu'on ne présente plus, et Clémence Castel qui va donc concourir avec une femme, puisqu'elle est avec une femme dans la vie personnelle. C'est pas la première fois, hein, puisque l'année dernière il y avait Bilal Hassani qui avait fait de même avec un gars, toujours dans l'émission. M6 maintenant pour une deuxième information, zone évasion ou interdite au film Munier doit choisir ou pas, puisque tous les samedis on la retrouvera pour une nouvelle émission, zone évasion, en plus du dimanche avec zone interdite, une émission qui reviendra un petit peu plus régulièrement, hein, puisque zone interdite c'est un dimanche sur deux, là ce sera toutes les semaines, avec donc des sujets un peu plus light hein, que l'émission interdite proposait, notamment par exemple l'été, et bien là il y aura tout ça dans zone évasion, en prime donc. Et puis on revient sur ce qui s'est passé avec Des Chiffres des Lettres, avec le départ de Bertrand et Ariel, des échanges tendus avec France Télévisions qui ont démenti certaines informations, ils ont communiqué en disant qu'il y avait une baisse de leur salaire et qu'ils n'ont pas accepté cela, enfin voilà, ça part un petit peu très loin cette histoire. Moi je suis juste triste qu'après tant d'années et tant d'historiques, on termine comme ça, voilà, je suis pas dans un parti où... Mes points très rapidement sur France 2 qui a diffusé une image de la guerre en Ukraine en disant que c'était un missile alors qu'en fait c'était seulement une cheminée qui était en train de tomber. Voilà, vous en avez sans doute entendu parler, vous avez l'image juste ici. Des excuses ont été faites très tardives par France 2, c'est ça qui est un petit peu polémiqué, mais elles ont été faites. Une brève passion habillage puisqu'il y a des nouvelles identités visuelles sur les bandes annonces de France Télévisions qui sont désormais uniformes selon les chaînes. Oui, là ça change, c'est presque la première fois. Hein. On a France 2, France 3, France 5, France 4 qui ont des bandes annonces transparentes avec juste le logo qui change et son apparition. Alors c'est dommage d'un côté parce qu'on perd l'identité de chaque chaîne, mais je trouve ça bien, c'est une stratégie de groupe.
L'arc-en-ciel des audiences est en rouge, c'est sur TFX, le doc des 15 ans de Secret Story, qui est un énorme flop, ça c'est quand même compliqué. La télé prend l'air sur France 3 à la fin de l'été, ça devait être programmé au début, ça a été déprogrammé, et bah c'est un des pires flops de l'année pour la chaîne. Masterchef, pour son retour est en jaune sur France 2, c'est 1 800 000, par rapport à l'audience de TF1 avec la dernière saison, c'est quand même moyen. Après, nous avons le vert avec les championnats d'Europe sur France 3, en access puis en prime, 3 millions, bien joué. Les traits de semaine 2 en bleu clair sur M6, mercredi, avec une petite baisse, mais c'était quand même encore la première chaîne. Bleu foncé toujours sur la chaîne avec le retour de l'amour et dans le pré pour une nouvelle saison. On va dire que c'est stop par rapport au lancement de l'année dernière. Et puis le violet, c'est pour le retour d'Astrid et Raphaël, la saison 3 sur France de vendredi, 5 millions de téléspectateurs, bien joué. L'agenda de la télé ce dimanche sur France 3, c'est l'arrivée de Michel Drucker avec son Vivant Dimanche en bleu. Demain sur France 3, ce sera le remplacement de Déchiffrer d'aide, Duel en famille par Cyril Ferraud vers 16h10. Le lancement de la 5ème saison de Good Doctor sur TF1, ce sera mercredi en prime time. Et puis on revient sur France 3 avec Déchiffrer d'aide qui passe donc le week-end dès samedi, avec un avant-dernier week-end pour Bertrand et Ariel. Et enfin, l'été, synonyme souvent de sport pour France Télévisions, et donc d'événements en direct, et qui dit direct dit forcément des petits problèmes. C'est ce qui s'est passé lors des championnats européens qui ont eu lieu au mois d'août, là, c'était entre deux villes, Munich et Rome. Alors, on connaît France Télévisions et France TV Sport pour sa bascule, il y a toujours ce moment incroyable où il faut changer de chaîne entre France 2, France 3, voire France 4. Et que parfois, eh bien, quelques secondes sont coupées, où on a des petits problèmes de raccord, ou même des courses qui changent de chaîne en plein milieu. Enfin, c'est un petit peu incroyable. Et bien, pour la fin de ces championnats, la semaine dernière, on a eu même Laurent Luya, qui a dû faire face à une coupure de son. Et oui, il n'a pas pu parler, donc il a communiqué avec un petit papier, où il a marqué coupure de son. C'est très drôle. Et comme je le dis depuis de nombreuses années, ainsi va la télévision en ce 28 août 2022. J'ai été heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo et je vous souhaite une bonne semaine. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.